Yo les amis, c'est Roro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien et je suis surexcité de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de cette aventure Minecraft en survie hardcore. Donc voilà, c'est parti, tout de suite l'intro, let's go! Donc, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure. D'abord, je voulais vous montrer ce que j'avais fait pendant que vous n'étiez pas là. Parce que je joue un petit peu à d'autres moments que pendant que j'enregistre. Et je voulais vous montrer que voilà, ça là, ça exactement ça. Je voulais vous montrer tous ces diamants que j'ai ramassés avec un petit peu de lapis aussi et beaucoup de redstone. Mais surtout les diamants, voilà. J'en ai que 13. Et ça va être une des missions d'aujourd'hui. Deuxième mission aujourd'hui, ça va être de changer ça. J'aime pas du tout ma maison, je suis pas bien dedans. Regardez, ça c'est faux raccord. C'est pas fou. Les trois couleurs vont pas du tout. On va rester sur deux couleurs et on va essayer de faire, je sais pas, un espèce de chemin qui va de l'entrée. Bref, et changer cette devanture aussi, ça me plaît pas du tout. Je sais pas par quoi on commence. Est-ce qu'on va miner en début et ensuite on fera la suite? Ou je sais pas. Ah, je voulais vous montrer autre chose aussi, surtout. C'est un des trucs que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, là j'ai ma maison, mon champ, mes animaux. J'ai aussi un cochon que j'avais pas avant. Et là, si on continue à côté de ce parc à animaux, déjà on a une entrée de grotte, avec une araignée. Et on a un chemin qui mène à quelques maisons. Tac, tac, il y en a deux, si je dis pas de bêtises, il y en a que deux, ouais. Et ensuite, faut rejoindre l'autre bout de village. Sauf que le souci, c'est que pour rejoindre l'autre bout de village, bah voilà, il n'y a pas de chemin. C'est pas possible. Donc Jojo, ce qu'il a créé, c'est qu'il a troué. Il a fait des trous partout et il a créé un escalier. Pour l'instant, il n'est pas magnifique cet escalier. Mais ça permet d'accéder au reste du village assez facilement. Et voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui on va arranger tout ça. Peut-être arranger l'escalier. Bah pareil, c'est pas un escalier-escalier, hein. C'est des marches. Des bêtes de marches, mais je suis obligé de sauter pour les monter. Donc aujourd'hui ça va être mission efficacité. Non. Pas mission efficacité. Mission trouver du diamant, armure en diamant, refaçage de façade. Non, pas du tout, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Pff, rien du tout, il n'y a rien qui va. Just Arbre, il m'embête. Pourquoi il a poussé là? Je vais devoir le couper. Il m'embête parce que. Alors ça, c'est bien, mais lui, il m'embête. Est-ce que j'ai une hache? Ouais, carrément que j'ai une hache. Donc, let's go. On va démonter l'arbre. En fait, ce qui m'embête dans cet arbre. What? Mais il va super bas. Mais what? Jamais. En plus, je crois que c'est moi qui l'ai planté. Oh. Comment je fais pour remonter maintenant? J'ai même pas de terre. Oh non, dis-moi pas, je vais sauter. Je vais devoir faire un trou là. Oh non! Pourquoi j'ai pas réfléchi avant? Pourquoi est-ce que j'ai pas réfléchi avant? Est-ce que vous pensez j'y arrive là? Si je saute comme ça. Oh my god! Je suis tombé. Ok! Et puis cette grotte, elle me parle pas du tout, elle me fait flipper même. Waouh, c'est quoi ça? C'est des colonnes? Dinguerie. Elle me fait flipper cette grotte. Bon, bah on n'a plus qu'à remonter. Aucune idée de comment je remonte. Mais ouais, aujourd'hui, objectif, je sais pas comment on dit. On va remodeler notre village. Ouais, on va remodeler notre maison, notre habitat et notre accès au village. Nos... Je vais peut-être même faire un pont parce qu'en fait, ça m'embête à chaque fois tout descendre. Ça serait lourd, faire un pont qui aille de là à en face. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire si je le fais pas tout de suite. Si je le fais aujourd'hui,
On va faire un pont. Ça peut se faire, hein, de là au village. Ça me plaît bien cette idée. Un escalier qui descend et un pont pour aller en face. Ça me plaît bien. Sachant que j'ai pas énormément de temps devant moi, là je joue pendant ma pause repas. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un chez moi. Pendant ma pause repas, donc je suis rentré. Fais plus de bruit quand tu manges, toi. Je suis rentré, il devait être 14h, j'ai mangé vite fait. Là il est. Je vais regarder l'heure. Et 15h. 15h. Voilà. Vous avez vu mon fond d'écran, c'est Zoro dans One Piece. Et 15h et je reprends le boulot à 16h40, mais je pars vers 16h. J'aime bien arriver un peu en avance au boulot. Donc, il nous reste 1 heure pour jouer. On commence tout de suite par miner du diams. Donc, on se retrouve couche moins 56, si je dis pas de bêtises. Dans la dernière vidéo, je faisais que de dire couche 22, couche 56, mais c'est moins 56. Donc, on se retrouve une fois sur place. Hop, j'ai fait une petite boulette, c'est que j'ai pas pris de fer avec moi pour des. Ouah, j'ai des poils de chien dans la bouche. Bref, j'ai pas pris de fer avec moi pour faire des pioches en fer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je m'arrête couche 16 pour trouver du fer. Sauf que. Il n'y en a pas là. Est-ce que je commencerai pas un tunnel dans cette direction? C'est parti. Je vais prendre ma pioche en pierre, comme ça, il n'y a pas de souci. Je commence un nouveau tunnel, vu que j'ai déjà fait un tunnel. Normalement, le fer, j'en trouve assez facilement. J'aime bien prendre autant de fer que ce que je vais utiliser. Par exemple, là, je vais utiliser, je pense, au moins 3 pioches en fer. Donc, il me faut 9 de fer. Ah oui, les amis, j'en profite que je suis en train de miner pour vous parler d'un truc, c'est que j'ai vu sur les 2 dernières vidéos. Alors, déjà sur la première, il y avait beaucoup les bruits de boutons, donc ça, j'y ai remédié. Enfin, j'essaye d'y remédier. Normalement, vous ne devez plus entendre. Il me semble que sur la dernière vidéo, on n'entend plus les bruits de boutons. Oh, du fer! Plaisir, plaisir de ouf. Ah, si, là, vous avez dû entendre les boutons. Bref. Et sur. Les 2 dernières vidéos, j'ai remarqué un autre truc, c'est que il y a le bruit de la console. Elle fait v'là du bruit, elle ventile. Je pense qu'il faudrait que je la nettoie un petit peu. Mais pour l'instant, j'ai la flemme. Clairement, je vous le dis, clairement, j'ai la flemme. Combien j'ai de fer là? 6, ça me fait 2 pioches. Allez, oh, 7, on va continuer à miner un peu. Mais. J'ai fait une technique, je vous montrerai ou peut-être pas parce que j'ai la flemme de vous montrer. Trop la flemme aujourd'hui. J'ai fait une technique, normalement, vous ne devez plus entendre la PS4. Normalement, franchement, ça devrait commencer à être clean. Il y a juste peut-être ma voix qui doit résonner un peu dans la pièce parce que voilà, c'est comme ça résonne. J'essaye de chercher des trucs parce que je vais pas mettre des mousses dans mon salon ou alors faudrait que je joue pardon faudrait que je joue dans la chambre d'amis et que j'installe qui est du coup plus petite et que je mette quelque chose contre le bruit. J'y ai réfléchi encore. Voilà, j'ai pas envie de me lancer là-dedans parce que ça coûte un peu d'argent quand même. Faudrait que je fasse mon setup et je suis bien dans mon salon pour jouer, mais peut-être qu'au final, si je continue à faire des vidéos, donc si j'ai votre soutien déjà, peut-être que j'investirai. Ouais, j'ai plus de pioche. Mince. De toute façon, j'ai 7 de fer, c'est pas mal. On va descendre couche moins 56. Si j'ai votre soutien, si vous me dites dans les commentaires que. Vous kifferiez que j'ai un studio spécial pour faire des vidéos comme ça. Je ferai quelque chose. Ok? Or, n'hésitez pas en commentaire, bombardez, dites-moi. Déjà, aidez-moi avec. Je kiffe autant cet endroit. Cet endroit, je le trouve magnifique, pardon. Mettez-moi déjà en commentaire des trucs pour que j'améliore ma maison ou que j'améliore mes champs, mes plantations. Tout. À un moment, j'ai dû laisser du fer ici. Et 2, voilà, 7, 8, 9.
Parfait. Parfait, parfait. Je vais pouvoir faire mes pioches. Et voilà des conseils pour. Oh non, mais il est trop long. Je vais quand même aller voir au bout parce que je me rappelle plus où est-ce que je me suis arrêté, pourquoi je me suis arrêté. Mais mes couloirs sont trop longs. Y a rien du tout. Il y avait des trucs intéressants par là, non, rien. Oh, what? What? On va continuer un petit peu à miner par là. Et. Ah bah, j'ai dû casser ma pierre, donc là, c'est tout. Ah non, c'est que. J'étais là-dedans. Nul. Et dites-moi aussi en commentaire si vous kifferiez que je fasse du coup un studio spécial pour gaming. Si c'est un truc qui pourrait vous plaire. Dans tous les cas, moi, faut que j'investisse dans un micro, que ce soit pour les vlogs ou pour les vidéos gaming, pour que ça soit concentré sur ma voix et pas sur le reste du coup. Et peut-être que ma voix sera un peu moins résonante, mais j'en doute. Et j'en doute. Voilà. Bon, je finis de miner et on se retrouve, je sais pas, dès que j'ai des diamants. On se retrouve quand j'ai des diamants? Allez, let's go. Et voilà, premier diamant de la partie. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'en étais à 13 dans mon coffre. Et je crois qu'il faut que j'arrive à 25 diamants. Au moins 24 pour faire full armure. Mais moi, ce que je veux, c'est que je veux la pioche et la pelle et l'épée en diamant aussi. Je veux tout en diamant. 6 diamants. Pas mal au fait. 6, 6 plus 13, ça fait 19. 19, il manque plus que 5. Est-ce que je continue par là ou je pars dans une autre direction? Moi, je partirais bien dans une autre direction. Déjà, je vais regarder par là. Je finis mon truc. Et on se retrouve quand on a tous les diamants. Petite question, les amis, est-ce que ça vous dérange si quand je joue, je vous regarde pas? Je sais pas, hein, on sait jamais que ça peut vous déranger. C'est vrai que je suis concentré sur le jeu et si je vous regarde, bah je vois plus le truc. En fait, je dis ça parce qu'il m'est arrivé une dinguerie. Et oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour cette dinguerie que j'avais oublié. C'est que sur le dernier enregistrement, j'ai pas enregistré tout le clip. Tout simplement parce que j'ai pas regardé au moment où l'enregistrement s'est arrêté et je sais pas comment je fais pour enregistrer plus longtemps et à chaque fois je dois relancer un enregistrement sur la PS4. Ah, j'arrive pas à arriver, j'aime pas arriver là-dedans. C'est quoi ça, c'est du gravier, je sais pas comment. Comment ça s'appelle? Ouais, gravier. Gravier, hop, ça veut dire je bouge d'endroit. Je vais regarder juste là s'il n'y a pas du diamant. Je crois que je viens de défoncer mon escalier. Super. Là, j'ai mes 7 de fer. On va en faire des pioches. 1, 2 et 3 pioches. Magnifique. Et on va partir de ce côté. Let's go. Allez, il est 15h20, je me donne encore 10 minutes pour trouver des diamants jusqu'à 15h30 et comme ça, à ce moment-là, on va. À ce moment-là, si j'ai pas trouvé tous mes diamants, tant pis, on fera une pause dans la quête du diamant, quoi. Et on arrangera un peu notre base. Oh, du fer. Déjà, ça fait plaisir. Pas d'autre. Bizarre, il n'y avait qu'un de fer. Bon. En même temps, couche moins 56. Il n'y a pas énorme de fer. Oh, du diamant! Ça fait plaisir, les amis. Peut-être que. Oh. Déjà deux diamants. Au-dessus, c'est pas du diamant. Ok. 3, 4. Ouh, 4 diamants. Et
Il a l'air d'en avoir pas mal. Pas mal du tout. Ok, je crois qu'on est sur un bon petit filon de 8 là. Si je dis pas de bêtises. Hop, hop. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 6. J'ai dit 8, mais c'est 6. C'est déjà pas mal. Ça nous fait 12 diamants. Et avec les 13 qu'on a chez nous, ça nous fait 25 diamants. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire full diamant. Stuff full diamant. Bon, pas tout ce qui est épée. Mais bon. Si déjà on a tout ça en diamant, tout l'équipement, on va pouvoir s'attaquer à plus costaud. Allez, on se retrouve directement chez nous, à notre base. Et j'ai mis que 6 minutes et 26. Je suis dans le temps de ouf. Ça y est les amis, on est de retour à la base. Donc je prends tous mes diamants et c'est parti pour me faire un stuff complet. On a notre casque, notre plastron, les jambières. Oh non. Et si, et les bottes. Et il nous reste un diamant. Magnifique. Magnifique, on n'a plus qu'à s'équiper tout ça. Je vais en profiter aussi pour me faire un bouclier que je n'ai toujours pas fait. Attendez, j'ai pas fait mon bouclier. Mais qu'est-ce que j'ai dans la tête? Vous me direz si vous entendez la PS4 surchauffer, parce que j'entends qu'elle chauffe pas mal du tout là. Et je pense que vous devez l'entendre. Pourtant, j'ai trouvé une technique pour qu'elle fasse moins de bruit, mais il va vraiment falloir que je la nettoie, quoi. Allez, c'est parti. Je vais détruire, pas cette partie-là parce que je l'aime bien, mais on va détruire toute la partie en bois. Et je vais tout refaire de A à Z. C'est parti. En fait, le souci avec ma maison, le souci que j'avais, c'est que c'était trop plat et trop de couleurs différentes. J'avais mis 3 couleurs différentes, on va en mettre que 2. Et le... Comment on appelle ça? Le lien entre la pierre et le bois, il n'était pas bien fait. Là maintenant que j'ai des nouvelles matières de pierre et de bois, on va pouvoir faire quelque chose de plutôt propre. Mais il neige? Mais what? C'est quoi le délire? Pourquoi il y a de la neige? Il y a de la pluie? Vous voyez, maintenant il n'y a que de la pluie. Il y avait de la neige il y a 30 secondes. Il n'y a plus de neige. Ok, je comprends. Alors, on est presque bon. Du coup, voilà. On va garder cette idée de... Ça, je vais y enlever aussi. On va garder cette idée de mélange de maison et de grotte. Donc, une maison qui arrive dans une grotte et que du coup, ça se mélange. Why? C'est pas si... Bon, t'en veux plus? T'as fini de m'embêter? Waouh! J'ai stressé de ouf. Je me suis dit non, quand j'enlève ma maison, faut que ça arrive maintenant, quoi. Je vais tout enlever. Tout enlever. J'aime bien du coup, je sais même plus ce que je disais avant que l'araignée m'attaque, mais ce mélange de maison et de grotte. Mais ça m'allait pas du tout comme c'était. Là, c'est bon, j'ai tout. Magnifique. Donc, on est là. On a du bois comme ça. Oh, j'ai pas des troncs d'arbres. Et what? Ils sont où mes troncs? Bon, vous savez quoi? On va passer ça en accéléré. Et moi, je vous quitte pour l'instant. Et on se retrouve dès que c'est fini. Du coup les amis, j'ai taffé dessus pendant longtemps, j'ai pas tout en vidéo, mais j'ai vraiment taffé longtemps dessus. Et voilà le résultat que ça donne vu de l'extérieur. Donc j'ai fait des piliers, j'ai agrandi un petit peu, le toit est plutôt joli. J'ai rajouté des petites trappes là, et un petit palier ici en bois, en plancher, ça fait plaisir. Et je voulais vous montrer ça aussi, ma récolte, comment c'est magnifique
Il y a tout qui a poussé. Bref. Ah bah, je ne veux pas vous montrer ça. J'ai rajouté des petites vitres, j'ai mis une double porte. Et voilà, à l'intérieur. Oh, bah c'est cassé. Oh. Pourquoi c'est cassé comme ça? Mince. J'étais trop content et je viens de voir ça là. Dégoûté. Bon. Tant pis. Hop. Je vais rajouter. Tac. Bim. Bim. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, voilà l'intérieur. J'ai fait un espèce de petit palier là de transition entre le bois et la pierre, un espèce de couloir, je sais pas si vous voyez avec la double couleur. Et voilà mon entrée, oh, avec le coucher de soleil, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau! J'ai mis des trappes au-dessus, je trouve ça stylé, ça continue avec les portes, et ça continue aussi avec ça, j'aime bien la continuité. J'ai mis des poutres aussi pour donner une impression de soutenir la maison en pierre, quoi. Ça sera ma salle des coffres, du coup. Il faut que je rajoute une rangée de coffres au-dessus. Je sais pas encore ce que je vais faire dans l'entrée. Je vais faire une bête de déco, mais je sais pas quoi. Et ensuite, je suis en train de construire, vous voyez là, une nouvelle salle qui se rétrécit un petit peu après les renforts de bois qui se rétrécit. Faut vraiment que je la continue, mais voilà. Pour l'instant, ça donne ça et je suis plutôt fier parce que c'était vraiment pas beau et là, ça rend beaucoup mieux. Et en plus de ça, je voulais vous montrer. Voilà ça! Mais je crois que je vous l'ai déjà montré. Je sais pas où me mettre pour finir cette vidéo ici, là. C'est stylé comme ça. C'est stylé de ouf. Alors les amis, c'était El Roro. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à mettre ton plus gros like, ton petit abonnement, parce que j'ai pris du plaisir à faire et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je suis d'ailleurs un peu KO, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je suis trop content du rendu que ça. Je vous kiffe, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao!